Alors là, il est 5h du mat TU. On prend grain sur grain. Pas si simple que ça, là, depuis quelques jours. Essayer de faire avancer le bateau du mieux possible, mais c'est pas simple parce qu'il faudrait avoir beaucoup plus de bâches. Sauf qu'en fait, si on met plus de bâches et qu'on se fait surprendre comme là tout à l'heure, là, avec un bon grain à presque 30 nœuds, on pète tout. Donc voilà, faut juste réussir à savoir où placer le curseur. Et faut sentir, vu qu'il fait nuit noire, on voit rien, faut sentir en fait le vent monter. Et t'as le temps de sauter de ta banette. Tu sautes sur le winch et tu chopes, quoi. C'est génial. Mais en fait, pas du tout. Puis le vent, il tourne, enfin, c'est... Oh là là. Bon. Enfin, moi, ça va être l'heure du café, hein. Et il est pas bon, mon café. Ah là là. Il est parfait, ce café. Oh. Comme dirait Jay, c'est un café cow-boy, quoi. Ça te réveille à mort. En même temps, le petit grain m'a déjà bien réveillé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le vent est un peu frais revenu. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il était bien revenu et qu'il retombe déjà. Romain est toujours pas très très loin. Devant. Clarisse, elle est... Il y a deux petites îles brésiliennes qui sont paumées là et elle est juste à côté. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Si tu pourrais bouffer Athanasio. Petite Clarisse, tu vas trop vite. Et moi derrière, je ramasse les bouées. J'en ai plein le dos. Des grains et de la molle qui me collent à la peau. Arrête-toi, fais une petite pause, attends les copains.